Salut à tous. Donc là, je crois que c'est la cinquième vidéo. Je me trompe peut-être. Hein. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas enregistré. Donc là, ouais, je viens d'uploader la première vidéo. Donc on verra ce que vous en pensez. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je le finirai. Hein. De toute façon, je sais que mes vidéos sont pas, enfin, sont pas très appréciées. Mais... Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent voir, mais je continuerai pour le peu qui viennent voir. Et même si personne vient nous... Oh, bordel de merde. Ouais, merci. Même si personne vient voir, je continuerai quand même. Donc ouais, pardon, je suis un peu enrhumé, hein, j'ai des allergies, donc... Donc ouais, là, il y avait un piège assez vicieux. Hein. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire, déjà? Ah oui, voilà. Ouais, si vous avez vu la première vidéo, enfin, normalement, vous l'avez vu, hein, si vous regardez celle-là. Ouais, je mets des trucs entre crochets, là, pour les titres de la vidéo. En fait, c'est le... Ouais, c'est le numéro du scénario, en fait. Par exemple, j'ai mis Risa 1 pour la première parce que c'est le premier jour de Risa. Donc à la fin, quand ils seront réunis, je vais pas mettre les trois noms et le numéro. Hein. Je mettrai plus les noms. Hein. C'est juste une espèce de repère, quoi. Alors... Ah yes. Ouais, oui, ils ont trois sorts. Un sort de feu de zone, un sort de feu sur une personne et un sort de soin. Ouais, c'est beaucoup plus des bourrins que Risa. Hein. Autant Risa, elle, c'est des magies partout. Mais eux, c'est des... C'est un peu des gros bourrins. Hein. Ah, si vous m'entendez chantonner, c'est parce que... J'aime trop la musique. Ah, c'est pas possible, je peux pas m'en tenir. Bon, ouais. Voilà, cette musique, c'est un exemple de la musique pas géniale, la fanfare de fin de combat. Bon. Si vous trouvez des fanfares géniales, bon, je sens qu'il y en a un qui va me dire qu'il y a Skies of Arcadia, mais... En général, des musiques de 5 minutes, ça peut pas casser 3 pattes à un canard, quoi. Donc là, je vais essayer de pas me chier des trucs en prenant tous les pièges dans la gueule. Bon. Bon, le jade, vous avez toujours pas compris. C'est le truc qu'il y a dans l'œil. Parce que là, si vous regardez bien, il manque un œil, quoi. On le voit dans le menu, d'ailleurs. Oui, là, je vous le dis un peu tard, mais je vous déconseille de louper l'intro... du jeu, même si je parle pas, c'est bien fait exprès pour laisser l'ambiance de l'intro. Ouais, surtout passez pas l'intro parce que vous allez rien comprendre au scénario. Bon, pour l'instant c'est pas compliqué, c'est classique, mais ça se complique bien. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais après c'est... Oh putain le con. Ah, je fais une grosse connerie, je vais nous soigner en fait. Oh putain. Ah, ça c'est la connerie à pas faire ça. Heureusement qu'on voit qu'ils commencent à ramper par terre là quand ils sont en train de crever parce que sinon... Ah bah ça tombe bien ça. Ah, on peut avoir que 9 trucs. Alors ça c'est con. Ouais. C'est le seul jeu où on peut en avoir que 9 quoi. Même dans les Tales of c'est 15. Ouais. Le gars il voit un objet. Ouais c'est un spécialiste toi. Ouais. Il voit un objet par terre et c'est déjà le nom. Enfin, ça c'est du ring. Ouais. Je sais pas ce que c'est en fait. Ça. Ok, ouais. Ça défend ouais, contre la magie de feu. Je vais mettre à lui. Oh merde. Thank you.
vous inquiétez pas, on est bientôt au sommet. Hein. Je dis on, même si je suis tout seul. Hein. C'est pour parler de vous, quoi. Hein? Ah, voilà. C'est pas son frère. Hein. Enfin, je crois pas. De toute façon, on s'en fout, il sert à rien. Aussi. Alors là, ça, c'est un héros qui parle. En tout cas, les héros qui disent rien. Dans l'RPG, il y en a qui disent rien, genre ils tournent la tête ou ils puissent partir pour s'exprimer, quoi. C'est... Je sais pas s'ils sont muets ou je sais pas quoi. Et il y a des héros ouais, qui parlent. Là, c'est les héros qui parlent que pour dire de la merde, comme dans FF7. Puis les héros qui parlent que pour dire oui ou pour dire non aussi. Sauf que là c'est un peu spécial parce que les persos ils sont à la fois principaux et secondaires. Parce que quand on les revoit dans le scénario d'un autre perso, je vois pas trop que ça sert de. Alors là faudrait expliquer d'où il vient le gars, il est sorti du trou quoi. C'est une taupe ce mec. Ah mais là j'en ai mal, je vais m'enfuir. Voilà. Ah putain. Ah c'est bon. Ouais pour s'enfuir faut faire droite et se défendre faut faire gauche. Bon, c'est un classique, mais il y en a qui ont l'habitude que ça soit marqué dans le menu. Donc. Voilà. Donc là, hop. Là, il a plein main comme dans les premiers FF. Là. Oh putain. Ah, j'hésite. Ouais, je m'en fous. Ouais, je m'en fous pas la gueule, hein, monsieur. Oh, et puis merde. D'ailleurs, là, je pourrais utiliser les magies ou trop rapidement. Quoi. Parce que je me régénère, de toute façon. Là du coup à force de jouer à Golden Sun j'ai toujours l'impression qu'il va se défendre s'il attaque pas. Et heureusement c'est pas le cas. Bon, est-ce que je vais pouvoir sauvegarder sans qu'un ennemi qui arrive? Ah ça c'est le stress du RPG ça. Est-ce qu'il va y avoir un ennemi avant le boss qui va tout gâcher et je vais devoir m'en soigner? C'est la question. Voilà jour 1. Donc voilà. Petit boss qui va conclure la vidéo peut-être. Ah je vous dis qu'il y a un boss avant qu'un air. Pardon. Ouais, je cherche pas à comprendre. C'est comme ça. Là on se retrouve avec un gars enchaîné, un géant. Et là, ouais alors les boss toujours pareil, c'est le thème du perso, c'est-à-dire le thème de la carte, indifférent par scénario. Voilà, ça fait un nouveau perso. Bon, il s'appelle Ture. Et son frère c'est Mix, c'est Mixture. Bon qu'est-ce que t'as fait? Je peux en faire des jeux de mots comme ça, je peux en faire à la minute. Hein. À la demande, là, c'est. En passion, son frère, c'est pas ses passions, toi, c'est. Foxy, bon. Bon, je vais fermer ma gueule parce que je raconte que des conneries après. Et là, vous croyez quand même pas qu'on va faire un donjon sans boss au bout. Et là, attention, les statues deviennent vivantes. Bon, j'espère que c'est pas un boss aussi chiant que l'autre, parce que je me rappelle plus du tout. De toute façon, on est trois. Hein. Non, on peut pas se ressusciter par contre. Donc, mieux vaut ne pas crever. Donc, ça, c'est le thème de son. Je parle pas. Hein.
là ouais le jeu lag un peu donc ce qui fait que la musique est plus lente. Donc là si vous avez pas pu jouer il met les HP à 1 hein, donc pas moyen de se faire buter avec ses attaques. C'est quand il parle tu vois personne. De toute façon ça sert à rien qu'il nous le montre. Parce qu'on peut, pas la faire apparemment. Là je tape en rythme avec la musique, attention. Oh le con. Ah ouais, il faut absolument que je suis si vite. Ah merde, ça se voit. Alors là, faudrait expliquer pourquoi elle se ressuscite à 30, alors que l'autre, il se ressuscite à 1. Du coup je parle mais vous m'entendez pas mais... avec la musique à fond. Putain de merde. Quel connard ça. Je m'en fous, je le ranime. Je tape comme un bourrin. De toute façon, il va bientôt trouver. Non, mais pas elle, putain. Oh putain. Ouais, combat long, mais facile. Alors là, j'adore les mouvements des persos. Surtout l'ogre, là. Vous voyez peut-être pas très bien, mais il s'amuse avec ses yeux. Vaut mieux s'amuser avec ses yeux qu'avec autre chose. Mais vas-y. Voilà. Alors là, si vous avez compris, vous m'appelez. Voilà. Donc là, on sort. Un petit coffre. Alors Bura, Bura, point d'interrogation, mu ou nu, ouais mu. Donc ah putain, voilà. Alors je vais le faire, hein. Je vais faire bu, où est le bu bordel. Le bu alors. Ouais c'est toujours placé mais moi je prends pas un pied, je vois rien. Alors, voilà. Bu. Ra. Là, je m'attirerai quand je sais pas ce que c'est en fait. Comme ça je me rappellerai que c'est ici qu'il faut changer un truc. Et mu. Voilà. Restart. Voilà. Ok j'ai fait. Je me suis couvert de touche. Ouais ça arrive. Bu. Merde. Ra. Et. Il est où le mu là? Mu. Ok. Dommage de vide, donc c'est toujours pas la bonne truc. Tant pis. Ah, mais je suis con, j'ai oublié le tirer. Attends, c'est nu ou mu? Ah, je passe une heure à chercher un truc à la con. Ah, mais c'est un H ou un M, putain. Ah, mais. Ouais, parce que moi je suis sur un tout petit écran là, mais vraiment minuscule quoi. Donc ça a tous les coups, c'est un H. Non, c'est un M. Bon. Bura. Comment on va? Moins, peut-être plus. C'est ça. C'est vrai. Oui. Voilà. Ah, mais il me cherche. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, après, je chercherai tout seul hein, dans mon coin. Hein. Je vais m'entraîner à essayer de trouver la bonne magie. Donc comment on sort d'ici déjà? Bah j'en sais rien. Vous savez quoi quand je vais chercher comment on sort d'ici? Alors voilà.
Ah, il fallait remarquer dans un petit décor comme ça. Ouais, parce que moi je vous dis l'écran. Si vous verrez la taille de l'écran sur lequel je joue. On dirait un écran de Game Boy Color à peu près. Vas-y, je fais pas ça, ça lag donc. C'est au choix. Donc voilà, je vais vous laisser là. Donc bonne journée à tous. Mangez bien, restez en forme. Et surtout, regardez mes vidéos. Salut!